musiciens profanes et chrétiens tous à laquelle elle est, le goût du leak, rien que ça. Pour les cas de ceux du gospel, les cachets désormais revient à la hausse, c'est au point de ternir l'image. Qu'en pense à ce sujet le pasteur Bishop Mukulumpa de l'église La Compassion Extension, cité Mamoboutou, dans cet élément de Noéla, Anakeka? Des rumeurs de plus en plus inquiétantes courent autour du cachet des musiciens chrétiens. Pour plusieurs personnes, le mot « cachet » n'est pas approprié car, en qualité d'évangéliste, la mission est plutôt de propager la bonne nouvelle gratuitement selon les Saintes Écritures. Un avis partagé par Bishop Mukulumpa, pasteur de l'église La Compassion, extension de la cité Maman Mobutu. La Bible dit « l'ouvrier mérite son salaire ». Il est vrai que le salaire du musicien, ce n'est pas lui qui le taxe parce qu'il est en train de propager l'évangile, il est en train de édifier le peuple de Dieu au travers de ses chansons. C'est pas lui qui taxe, mais c'est l'Éternel lui-même qui l'a appelé parce que nous reconnaissons. Il faut qu'on fasse quand même la différence des choses. Le musicien n'est pas un commerçant qui est en train de vendre des chansons, mais c'est un prédicateur mais qui chante ses prédications. Alors si c'est considéré comme tel, je pense pas que cela soit nécessaire de pouvoir exiger un cachet. C'est du côté maintenant de l'église qui est en train de recevoir le musicien, de pouvoir penser que ces gens ne viendront pas en volant, ils vont prendre un transport, de penser à un transport pour eux, de penser quand même à quelque chose qui pourra le bénir. Les pasteurs seraient à la base de cette situation, d'après certains avis, l'image de l'artiste serait utilisée pour attirer le peuple de Dieu. Penser comme ça, moi je dirais, c'est penser charnel. Au fait, le nom qu'ils ont aujourd'hui, c'est Dieu qui leur a accordé la grâce d'avoir ce nom, cette popularité, non pour marchander leur nom. Dieu leur a accordé cette popularité pour avoir un positionnement, une position qui leur permettra de pouvoir influencer. Si aujourd'hui les églises les invitent à cause de leur nom, ce n'est pas pour faire le marketing de leur nom, non. C'est pour attirer les âmes, afin de pouvoir les édifier, afin de pouvoir gagner. Ils doivent penser ça comme ça. Ils ne doivent pas se servir de leur nom comme un produit. Ce n'est pas charnel de pouvoir inviter un musicien connu, parce qu'il n'est pas connu en vain. Il est connu parce qu'il est un canal par lequel Dieu passe pour édifier le peuple de Dieu. Pour se faire comprendre, l'homme de Dieu a lancé un mot d'encouragement en direction des concernés. N'utilisez pas votre nom comme si vous étiez devenu un produit. Et plus vous êtes connu, plus votre cachet est en train de monter. C'est purement charnel. Remarquez bien, tous ceux-là qui ont commencé avec cette voix, aujourd'hui, je ne citerai pas de nom, vous le connaissez, aujourd'hui, ils ne sont plus invités dans les églises. Laissez le Seigneur vous bénir. Si vous pensez que le Seigneur vous a appelé, lui-même vous bénira d'une manière ou d'une autre. Voilà qui est si bien dit. Une page rose dans cette édition, l'une des nôtres, Noéla Nakeka, journaliste de l'agence de presse Info Initiative, fête son anniversaire ce lundi 25 décembre, jour de Noël. Sur ce, l'Info Initiative ainsi que la famille Anakeka lui souhaite plein de bonnes choses. Anniversaire accepté de bon cœur, mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. Et comprenez que c'est par cette page heureuse que nous bouclons la boucle. Et grand merci à toute l'équipe technique d'Info Initiative, sans oublier à tous les amis de l'Info Initiative, à Jesse Feki, au pasteur Benoît Kalemba. Retrouvons-nous très prochainement, mesdames, messieurs.